Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de vous faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Une bonne conférence, moi te dis, dans le cas de moi, M. Doval là, moi disposé, disponible pour me faire permettre que juge ou commissaire gouvernement tendent tout sous dossier ça. Pour qui ça? Parce que me rendre compte de manœuvre, de stratégie, ça tantôt dit c'est Doval, ça tantôt dit c'est Barreau, ça tantôt dit il faut une justice pour mettre Doval, ça tantôt dit arrêter pour Doval, mais moins encore. À partir de aujourd'hui, il y a des documents ça me publié hein. La presse si nous est lettre en guise de lettre ouverte au premier ministre, mais son lettre ouverte à la nation, il pral retracer nous pral li pour nous côté l'homme M. Doval sorti. Et nous pral connaître qui implication équipe sonnet Saint-Louis a joué dans l'homme M. Mouferrier Doval. M. Mouferrier Doval t'a traité un dossier que sonnet Saint-Louis c'est avocat de déporté qui fait des gros crimes aux États-Unis, que yo utilisé pour te affronter Doval. Mais nèg qui tellement de gros relations avec le système justice là, yo pas cal sous moun yo. Yo pas cal sous bandi yo. Yo pas cal sous patron yo. Qui baille comme qui baille l'argent pour assassiner Doval. Et moun qui te fait d'ailleurs, là nous finissons dans le tribunal avec maître Met Sonnet en présence commissaire gouvernement. Sonnet dit Met Noye Morancy qui t'est venu dans place Met Doval. Moi regrette ça pour mettre l'argent, moi mon entrer dans dossier ça tout. Son dossier qui a assassiné déjà trois Met Doval avec quatrième avocat. Mais son dossier intérêt a tellement en pile, intérêt a tellement son chaîne liée. Si yon moyen, eh bien, pral gen pile bagay qui pral passer dans le pays. De nèg qui pas avocat, et puis qui utilise akwetans pouvoir chef yote, et puis marcher voler bien moun sa yo, et puis mettre Doval, parce que yon détruit moun yo, même l'archive nationale, pour pas gen papier, et puis mettre Doval, grâce à l'église catholique, ou après me dit ça dans le document, grâce à l'église catholique et l'autre institution, mettre Doval rétablit moun yo. Et comme si Mounio fin volé un bagage qui est valé, parce que comme si non, son fortune qui est valé à plus de 10 millions de dollars américains, qui n'est pas volé en Haïti. Il a tué mettre bien aux États-Unis, et puis il est entré en Haïti, il vient prendre possession bien. Il a fait tentative pour te tuer petit Mounio, il n'a pas été tué, et puis Kounia là, qui est Mounio qui vient rétablir Mounio ça, dans la fortune ça, avec où est Kao, ou vendre des cailles qui pas Kao, et puis je dis à même mettre Kao apparaître, et puis il y a des documents. Et puis, qui moun qui vend kay ça? Mettez un tel qui vend kay là. Qui est-ce qui vend tel kay? Mettez son nek vend tel kay. Qui est-ce qui vend tel bien? Mettez Camille Leblanc qui vend tel bien. Qui est-ce qui vend tel bien? Mettez, comment? Notre essayant qui passe tel bien. C'est pour 400 000 dollars. On y a là, qui est-ce qui est avocat? C'est son nek, c'est lui. Et, yo estime, yo te dit Doval que yo pas pardonner ça. C'est ça, yo te dit Doval. Et je publie pour que vous compreniez que je suis très ferme dans la position parce que je suis jusqu'au bout dans la bataille pour nous joindre, pour tout le monde connaît, pour en s'assécuer dans Val là, pour que vous paraissiez dans le tribunal pour vous juger. Et je m'annonce que je suis porté plainte déjà, parce que je ne suis pas en train de jouer. Depuis avant le moment dans Val, je suis porté plainte le 24 août dans le bâtonnat par rapport à la menace avocat de Tapsibi. Doval mourir 28. Comprenez bien, oui? Qui moun qui moute dossier, hein? Qui travaille sur tout dossier, c'était Maître Doval. Qui est-ce qui vient bâtonnier maintenant qui prend pour tendre avocat foncier, c'est Maître Doval. Est-ce que Doval a assez pour te mourir? Nous avons une crise depuis longtemps qui là, qui pote en pile petit pays à aller, qui fait en pile bien. Nous perdu et je dis à la, nous n'avons qu'à foutre. Côté que nous sommes capables de réfléchir sur l'autre pays. Nous ne sommes pas un peuple tout le temps qui a fait l'histoire dans ce qui n'est pas bon, qui quitte mauvais goût dans la bouche. Et ça fait aujourd'hui, nous avons fait un appel
à pouvoir avec opposition pour yo chita ensemble pour yo voir comment nous capable sortir pays à dans crise côté lié. C'est bien nous voir quelques dirigeants qui commencent à sortir tête yo qui comprennent pays à c'est pour nous lié. Faut que nous protéger. C'est celle qui nous gagne comme intérêt commun qui c'est Haïti. Dans sens ça nous capable féliciter yon membre secteur démocratique là qui c'est Watson Sanon. Jodi a qui comprennent que pays a nous devons faire l'autre réflexion, nous devons travailler pour yon l'autre Haïti pour nous capable éviter plus mal rivé pays a. Et nous dit tout moun yo en nous rejoignent dans direction que li prend. Et nous croyons que pas gon moun jodi a qui pas connaît que yon moun tankou Watson Sanon c'est yon nan moun qui te supporte opposition en plus surtout secteur démocratique là. Et à chaque fois nous tendez tout en pile monde dit que l'impact même secteur démocratique là nous dit c'est pas vrai parce que nous même nous connaît côté nous y a là toute gros réunion yo fait là kali que li investi pour être capable grand secteur démocratique. Si chaque monde tant que sénateur que li Sébastien encore qui te proposition tout pour nous voir comment pays a capable sortir côté li a. Si chaque le monde dans secteur a fait une déclaration, nous dit le patron du secteur a finalement nous capable dit secteur a ces trois monde ni là-dedans. Mais fait face, nous connaissons citoyens tant que Watson ça non son monde qui investit en pile dans jeune. Les grandes fondations qui est là comme ça, fondation ça a li formé en pile jeune dans Delma et surtout dans le sud, si nous allons constater au moins nous joindre témoignage les nous passer sous terrain, nous joindre au moins 10 000 à 20 000 jeunes côté yo faire formation pour yo. Nous pas quoi aucun côté. Là on a l'étudier yo apprend nous comment pour craser pays. Au contraire, yo apprend nous l'amour de la patrie et ça fait que nous dit si crasse l'amour ça nous gagne pour pays ya. Diplôme ça nous gagne en dans pays ya. On mette yo pour utile pays ya parce que pays ya besoin tout petit li parce que nous tout important pour pays ya. Tout monde qui a décidé faire partie de la solution. Et gendé mon nous mettre sauver. Je toujours aimé faire partie de problème là. C'est pas résoudre problème pays à qui intéressé yo, solutionner problème pays à qui intéressé yo, c'est camper en face tout ça qu'a fait pour pays à. Donc, pour les, par rapport à appel président, que, combien de monde capable répondre pour faire partie de la solution? C'est pas bon, bah, constitution, nous connaissons les bons problèmes là-dedans. Opposition lui-même, il dit constitution son problème. Pouvoir dit constitution son problème. Société civile l'a dit constitution son problème. Parti politique dit constitution son problème. Diaspora dit constitution son problème. Nous tous d'accord son problème. Mais Dorval qui mourit pour ça, j'ai dit constitution son problème, faut que nous changer l'avant élection. Donc pour qui ça nous toutes nous pas mettre tête nous ensemble, nous fait partie de la solution. Et M. Dorval prend des positions très claires. M. Dorval dit que contre conférence nationale et opposition de proposer pour changer constitution. Il dit contre ça. Mais bah il dit non, les voir sur YouTube ou abonner une vidéo. D'ailleurs, mettez sur compte Twitter moi au balcon les lucaser un pour mon les garder. Donc pour moi-même, si quelqu'un qui aime pays ça et voulait faire partie de la solution, c'est comment différents secteurs ont entré dans une commission indépendante, Jean-Marc Dorval de proposer là qui gagne des experts dans différents domaines pour faire une proposition à la nation. On va être clair que le président qui l'a Jovenel Moïse et il va pas président encore dans 7 février 2022 les mandats. S'il veut le président encore, il va l'obliger de 35 ans. Donc il va pas profiter de l'année du 7 février 2022, il va le faire, il va pas candidat encore. Pas clair pour tout le monde. Donc si le président ça qui l'a Cabral qui n'a pas candidat encore et qui n'a pas candidat encore légalement et constitutionnellement, c'est qu'il y a tout le monde participer pour que 59e président, ça 58e président nous en vive, 57e, 56e, 55e, 54e, 53e, pour que les gens qui viennent pas vivre bagaille ça comme président encore, pour que le pays a dirigé. La constitution fait l'État Bouma, l'État, premier ministre Bouma, président, premier ministre a décidé par le président coup d'État, premier ministre Bouma, parlement, parlement Bouma, président, pour supérieur des comptes à bloquer, exécuter. Ou pas qu'on l'État, qu'on bouma l'État qui empêche le travail peuple à faire. Donc pour moi-même, pour y a devant Abel Sarah président, en fait, qui moun qui voulait faire partie de solution, n'a pas regardé. Mais bon, c'est des nègres. Quel que soit son fait, nous toujours voulons faire partie de problèmes. Non. On regarde dans ces maintenant qui est-ce qui voulait faire partie de solutions. Je dis, mais j'en mets mon ferry d'Oval de dire, est-ce qu'il y a une série de partis politiques qui rendent compte que faut qu'ils participent dans la solution et M. Dorval devait proposer la mise en place d'une commission d'experts indépendants. Et le président Jovenel Moïse dit clairement lui-même, il n'a pas fait la constitution dans le sens qu'il va lui faire bénéficier de lui. Parce que ouais, pas le faire ou le 7 février 2022, le mandat est fini.
Donc, nous n'avons pas le bénéfice de la Constitution, qui est peut-être 59e président, pour qu'il y ait tout secteur politique, économique, social et diaspora, si c'est vous-même qui avez la caille, expert en droit constitutionnel là, voyez, expert en droit privé, droit international là, voyez, si c'est vous-même qui êtes ethnologue, sociologue, géographe, grammairien, qui doit être en commission d'experts indépendants, voyez, parce que affaire constitution, c'est pas faire la présidence liée, ça fait pays, à éduquer la présidence son véhicule, son facilitateur. Mais le monde n'a pas le travail sur la constitution, c'est expert qui dans tout domaine qui existe dans le pays. Donc, ou même capitaine de là, est-ce qu'on veut faire partie de la solution, ou bien quitter le pays, la constitution Jean-Lia, pour que l'État bouma, l'État est bien, il n'y a pas qu'à régler pendant 33 ans de Kabila. Quoi? C'est non, mais nous qui lui. Donc, je dis, question fondamentale là, est-ce qu'on fait partie de la solution, mais est-ce qu'on fait partie du problème? Donc, ou même vous montrer que vous avez intérêt dans la politique de logement. A éduqué, on dans l'État et le PDLS en général, et l'on parle de logement social, c'est eux-mêmes qui impliquent directement. Je veux dire, c'est eux-mêmes qui ont essayé de construire caille pour la police à bon marché, et construire un série de bagailles pour faciliter et malheureux, malheureux, ou bien les gens qui classent moyenne, sont institutions qui l'ont depuis longtemps. Donc, est-ce que le PDLS a adapté aux nouvelles réalités, et comment le mettre dans le travail du ministère des Finances, dans le travail avec le ministère des Affaires Sociales, il a mettre des structures économique ou que gagne un partnership public-privé avec banquier par exemple pour que tout le monde soit socio-professionnel dans l'État. Mais le PPL est à bataille à vous. Et puis, avec un taux d'intérêt de 3%, il y a l'État bien l'autre. Son période de 30 ans, policier, infirmière, docteur, capé, caïd, ou bien appartement qu'il gagne. Est-ce que l'on a un partnership ça? Parce qu'il faut pas oublier, comme de retraite, il faut placer. Mais non, c'est des placements qui n'ont pas de risque là-dedans pour garantir que le compte travail est fait petit. Ouais, je dis aux États-Unis, bon, bah, il y a le fonds O1K, avec l'argent de retraite travail. Bon, j'en ai mis dans Wall Street, sur le marché de la bourse, pour faire petit. Pour que justement là, par exemple, nous, aujourd'hui, allons regarder le fonds O1K, avec le compte dans le fonds de retraite, elle fait petit. Tout bon. Il dit que quel que soit nos États-Unis, qu'on travaille, qui est en bas échelle là, n'est tout pas une qualification, qu'on soit socio-professionnel qui a un diplôme, ou bien, ou son gros bourgeois, ou à regarder les fonds ONK, ou bien investissement qu'on fait, ils ont fait petit sérieux, qui est content. Donc, je veux dire, est-ce que nous avons créé un système comme ça en Haïti? Donc, c'est qui parti politique qui a une solution? Qui leader politique qui a une solution? Bien, ou pas même capable de bagarrer avec eux, et depuis Louis Bosch, Bouchou, ouais, ou pas les compétences et capacités, pour faire rêver, pour tourner réalité, parce qu'il n'y a pas écrit plan pour chercher. Plan économique pour chercher. Il y a des leaders qui l'ont, nous tous connaissons, on ne va pas citer nous. Il y a des leaders qui l'ont, ou qu'on entend dans la radio, plan économique pour faire rêver, nous venons tourner réalité à aussi. Et pas que je me rappelle. Plan social pour une éducation du 21e siècle, pour petit nous, avec transformation économique à gagner, sous intelligence artificielle, robotisation et de l'économie. Et vous gardez l'idée à où elle va faire ça à vous. Elle dit, vous marchez à l'idée, ça, il n'a fait noir, vous allez dans le grand pays, vous allez, c'est dans le misère, vous allez, c'est dans le cas de misère, vous allez. Vous entendez ça? Il est incapable là. Mais faut nous, c'est nous-mêmes, oui, comme peuple là, qui poussez. Bon, mon bagage, vous avez dit nous là, sont le monde qui a changé ça, c'est nous-mêmes, capitaine de radio. Et puis nous commençons à dire l'idée, si nous n'avons pas un plan économique, pas venir parler devant nous, nous ne pouvons pas écouter radio ça encore. Faites l'idée, vous venez avec plan économique, pour bailler des détails sur vous. Plan pour l'agriculture, pour l'énergie, pour la santé. Pas qu'il y ait un développement économique sans infrastructure, ça nous connaît. Si vous n'avez pas de pont, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas de port, vous n'avez pas d'aéroport, vous n'avez pas de bon câble qui vous bon, bon genre internet à téléphone, pas qu'il y ait un développement économique, qui est des politiques qui ont un plan pour ça. Pas qu'il y ait un développement économique sans énergie, pas qu'il y ait l'électricité, pas qu'il y ait un développement économique, qui est des politiques qui ont un plan pour les infrastructures. Et sans les infrastructures, pas qu'il y ait un développement économique, si pas qu'il y ait un développement économique, rêve pour gagner, pas qu'il y ait une réalité. Qui est des politiques qui ont ça, qui est des politiques qui ont ça dans le pays d'Haïti. Pour faire rêve, vous tournez réaliste, rêve pour gagner. Et pas gagner ou pas, moi, mes amis. Aujourd'hui, nous allons faire une élection pour le comité départemental Ouest 2 et dans quoi de bouquet. Comme nous avons expliqué la dernière fois, comme le département de l'Ouest, c'est un plus gros département dans le pays, donc on a divisé le département en 3 sections. Et chaque section, c'est 7 à 8 communes, on va songer exactement total là pour l'autre, mais dans le PAM, il y a 7 communes. Et cette commune, ça y est, aujourd'hui, à là, étant donné que la dernière fois, nous avons été élus délégation communale, chaque bas, donc les gens qui étaient élus dans la délégation communale, là, c'est eux qui délégués aujourd'hui, qui viennent faire élection pour délégation départementale. Maintenant, ça m'a rappelé
et téléspectateurs téléguinéens, c'est que c'est un RNP mieux. Je suis un dirigeant RNP, mais qui est CUN. Tout d'abord, moi, je suis secrétaire général aux affaires internationales à intérim. Et en même temps, je suis élu dernière fois dans la convention 2018 là, comme conseiller CUN. Mais je rappelle nous en même temps que dans RNP, il y a un membre. Mais que ce n'est pas seulement le membre qui est important pour nous, mais nous créer tous sous les DNP des divisions administratives. Il y a une division administrative qui est plus bas, qui est plus proche, c'est UTA. Et nous considérer et nous demander chaque membre pour intégrer au UTA. Il y a un membre qui ne doit pas aller à l'UTA, ça c'est libre à eux. Mais normalement, nous commençons avec UTA pour nous monter d'abord dans la section communale, et, qui est dans la section communale, dis-je. Et à partir de communes, de sections communales, nous avons nos communes et de communes, nous avons nos départements et nos départements, nous avons nos nationales. Qui ça nous gagne? UTA, c'est lui qui nomme, UTA, c'est lui qui nomme propre dirigeant par eux. Parce que c'est un n'a pas une vol dans ça. Puisque nous, UTA, c'est 20 au minimum qui nous gagne, nous pensons que c'est assez adulte pour faire élection pour chaque grand État, pour gagner aussi bien coordonnateur UTA. Que coordonnateur adjoint UTA et trésorier UTA avec conseiller UTA. Maintenant, c'est mon cher Témine Lalonjou qui était fait et qui était élu. Chacun a été un délégué et c'est eux qui étaient élu direction communale dans chaque zone qui vient, dans chaque commune qui vient dans l'ouest 2. Maintenant, les autres finissent mais délégation communale, ça y est. C'est même délégation communale ça y est, officielle délégation communale ça y est, c'est eux qui aujourd'hui a délégué pour venir voter délégation départementale l'Ouest 2. Et c'est moun ça que nous gagnons là aujourd'hui. Même moun ça y est que nous avons dans délégation communale là et qui a formé aujourd'hui la délégation départementale là, c'est même moun ça y est qui en 2023 pral délégué pour venir voter pour nouveau CEN parti. Parce que c'est un nommé pour 5 ans. Ok? Et en 2023, tout, il y a l'autre vote qui est qui fait pour aussi bien délégation communale que pour délégation départementale encore. Là, ça a passé depuis 2023, presque tout le monde va là pour 5 ans avec tous les mandats qui ont fini presque même, au même moment chaque mois. Tout pas dit ça. Donc c'est ça nous venons de là aujourd'hui. Maintenant, pour le moment, élection a passé bien, nous avons là, tout délégué qui vient là, ils sont venus au voter et ils attendent sur les que nous baillons au résultat officieusement. Parce que ce n'est pas tout qui vient là. Je suppose qu'il y a 18 délégués qui viennent là aujourd'hui, là, mais jusqu'à présent, c'est 10. 10 qui viennent, donc pas attendre 8 l'autre jour. Et comme je connais depuis avant nous devons venir, l'élection, enfin, disponible pour nous pour venir faire vote là, de 8h à midi. Si entre temps, avant midi, il y aurait les mots, il y a un petit retard, je vais prétendre. Je vais prétendre jusqu'à midi et demi. Mais un officiel vote là, c'est 8h à midi. Donc, depuis tout le monde va être à midi, mais je vais faire tout le monde voter. Et puis, je vais avoir un résultat officieux, pas officiel. Ok, parce que le dépouillage officiel, là, vous si vous marquez non, etc., je vais vérifier le numéro. Même sous chaque bulletin, je vois si. Bon, bien que je vérifie que je suis parce que tout le monde est 4. Mais pour la deuxième vérification qui fait dans le bureau, d'accord, pour nous vérifier 4, etc. Et puis après ça, on a le résultat officiellement. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de nous abonner avec la chaîne. Et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.